jour à peine. Mais là, ouais, il faut s'en charger. Parce que pour l'imé, faut se déplacer, ouais, au tas là. C'est pourquoi, au nom de tous les enfants de la pédiatrie, voilà. Nous en croyons. Oh, merci. Merci. Merci beaucoup. Maman Coco reste une amie pour moi. Je venais toujours la voir, jusqu'à ce jour qu'il nous a laissé. Je disais à son oreille, je vais faire l'orphelinat à ma ferme à Kingantoko, je vais te prendre sans enfant. Elle disait oui, oui, oui. Et ce projet, ce n'est pas fini. Je vais bâtir cette orphelinat et je vais l'alléger. Là où elle est, elle m'écoute. Et ça m'a fait de la peine le jour de sa mort. Si je savais, j'allais venir la voir la veille, mais j'étais seulement la voir, elle était décédée. Je suis avec ses enfants avec cœur. Et j'aimerais bien que le gens de ces pays fassent cette œuvre-là. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Et même d'autres gens qui ont des moyens qui viennent voir assister ces enfants. En tout cas, si on met la main là-dessus, on va voir beaucoup d'enfants qui vont évoluer, grandir et aider encore la population. Surtout les enfants qui étaient des orphelins ici. C'est ceux qui tiennent ces centres. C'est ça qui me touche encore à cœur. Je vous remercie. Merci les enfants. Merci toute l'équipe de l'orphelinat de Maman Coco. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse. Bonjour les enfants. Ça va? Qu'est-ce que tu manges? Les bonbons. Tu manges des bonbons. Oh là 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 là. Ils sont beaux. Oh, comment tu es content de trouver mon ami? Comment il va? Voilà, mais il est souriant, il est toujours souriant. Ah oui, c'était un peu gentil. Ouais, j'étais... La dernière fois, c'était le bébé qui me souriait le plus. Il a grandi, oui, il a grandi. Tu grandis, tu es beau, hein? Je te dis toujours que tu es beau. Il faut vivre, tu vivras. T'as compris? Maman Coco t'a aimé. Hein? Bien qu'elle est morte. Son équipe est là pour toi. Ils font la fête. Ils ne savent pas qu'autour d'eux, il y a des enfants qui doivent venir voir. Heureusement, ces enfants sont avec Jésus. Heureusement, c'est des enfants avec Jésus. Ce monde est dangereux. Ce monde est diabolique. J'ai fait l'émission exprès que les gens viennent assister ces enfants. Mais je vois personne. Il n'y a que des gens qui ont de grosses jeeps, hein, qui construisent des immeubles. Il y a là un toit où on peut s'aimer ici. À Maman Coco, j'ai toujours dit, si vous avez plus de millions, venez s'aimer ça ici. Un doigt ne peut pas laver le visage. Il faut plusieurs doigts. Je remercie tous les gens qui assistent ces enfants. Que Dieu les bénisse. Et heureusement, il y a des gens avec cœur. Maman Coco qui a fondé cette fondation, il avait cœur. Vous les gens qui sont en Europe, je vous demande, vous avez de quoi envoyer en habits, en nourriture, même de loin, on va vous donner les sites internet de cet endroit. Vous allez envoyer de l'argent pour aider les populations. Moi, je travaille dans les crèmes cosmétiques. Vous mettez mes crèmes à Paris, à Londres, aux États-Unis. Mais je vais mettre les numéros de ce site que vous envoyez l'argent à cette association.
Je suis venu vous laisser un message. Je suis venu vous lancer un message. Vous allez dans l'église, vous mettez des dîmes offrandes. Le pasteur vient pas s'aimer ici. Alors, prenez ces dîmes offrandes, venez s'aimer ça ici chez Maman Coco. Regardez tous ces enfants. Ils ont besoin de main d'œuvre. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de couches. Ils ont besoin de vêtements. Qui va leur donner ça? Arrêtons avec les églises. L'église ne fait que prendre l'argent de Dieu pour manger. Or, l'argent de Dieu, on doit venir s'aimer ça ici chez Maman Coco. Jésus a dit, il est le Dieu. Attendez, Donc merci na mama Tina na visite na ye na kati ya fondation pédiatrie de Kimono. Rasta rabaki. Rasta rabaki. Voilà, tout ça muri. Notre Père qui est origine, papa, que ta nom soit 60 pètes de loup. Que ta reine vienne mon tombe, c'est un bon couteau, un couteau bien. Papa, Urubina Matthieu 7-7, fumé et préjudiciable à la santé. Tata, n'a qu'un ami qui a poto, n'a qu'un afrique du sud, yuka bakombu ya bala na wundi ma ya tendresse. Maman Tina, oui papa. Kamson, oui maman. Rafa, Rabaki, oui papa. Tata, yaga na Congo ba Congo na gundima ya désordre ma fouenie eux. Ikala ba mutima eux. Ipobe. Tata, jambi na longwe. Tala kusaka na yabana ya poto. Ekim sera da le groupe A. Ekim sera da le groupe B. Yaga ya Congo. Pat pat. Pat pat. Nega sumbi nye. Akosere pa peti. Oh ma peti. Waneza ma bea. Oh, l'ingéni me combien? Voilà, tata, na longue. Sende, lipela, kipaga paga, eh, tataranga. Jambi na longwe. Ezali kaka priere tatarangai. Tala kusenga mikata na tandresi na poto. Papa, dani mwale bro, achetele plebeni. Yaka ya besha wa tata yo, beza wa safo na so mambashu wa chamwamba. Dami na kai. Tata, na longwe. Ezali kaka priere. Shika bala 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 muri mangole ko tinga aba 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 kigete timbi aba aba kigete aba aba kigete aba aba bala bala haleluya tukwete maboko kuna mama Tina. Bonjour les enfants. Bonjour. Je suis venu aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que cette association des Amis de Jésus, je l'avais créée pour vous. Seul, je ne pourrais pas. Je lançais ça au monde entier, en commençant par Kinshasa. Mais je n'espère pas trop pour Kinshasa. Or, c'est Kinshasa qui devait faire une grande partie. Mais j'ai collaboré avec des gens.
J'ai mis cette association dans l'internet, dans le YouTube. J'ai lancé les messages à tout le monde entier, aux frères et sœurs de la France, la Belgique, les États-Unis, Londres. Ils sont au courant. Ce n'est que pour ça que je suis venu aujourd'hui pour prendre les coordonnées bancaires de cette maison de Mama Coco. Et cela, je vais transmettre ça aux gens qui sont à l'étranger. Ils vont commencer à vous envoyer comme ils pourront. Parce que j'ai même pas voulu que ça transite par moi, que ça passe directement. Ce n'est que pour ça que j'avais dit, il faut que je vienne vous voir pour vous dire cette bonne nouvelle. Ça ne va pas s'arrêter seulement aux gens qui sont en Europe. Même ceux qui sont à Kinshasa, ils vont participer à cette association. C'est vraiment créé dans le but d'aider d'abord les enfants de Mama Coco et après d'autres gens. Ce n'est que pour ça que je demanderai après mon départ les coordonnées bancaires parce que les gens en Europe sont en train de me demander déjà ça. J'avais dit qu'il faut que je vienne chercher ça ici et je vais transmettre. Ils vont transmettre l'argent soit par MoneyGram, soit par Western Union parce que ça peut acheter la nourriture pour vous, ça peut acheter les médicaments pour vous. Donc, Association des Amis de Jésus à Sagef, je l'ai créée en pensant d'abord à vous. C'est une association qui est à vous. D'autre part. Et de temps en temps, je prendrai des photos des enfants. Je vais mettre ça dans l'internet. Vous aurez des parrains à l'étranger. Parrain, cela veut dire le papa qui voudra prendre en charge un enfant. En commençant par sa nourriture, ses vêtements et ses études. Donc, on viendra la prochaine fois prendre la photo des enfants. On va mettre à l'internet. Vous aurez des parrains en Europe. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être en France. Et c'est comme ça qu'on va donner un coup de main à Mama Coco, qu'on aime tant qu'il est parti. Il peut arriver qu'un parrain dise qu'il veut cet enfant pour des bons. Il verra avec les responsables, ils vont voir avec la société congolaise si cet enfant peut sortir. Parce que c'est un mouvement que j'ai créé pour soutenir, pour enlever un peu la charge à cette association des Mama Coco. Je m'adresse aux églises du Christ au Congo. Nous créons des églises parce que nous voulons faire ce que Jésus nous a demandé. Jésus est parti, il a dit, je vous laisse mon esprit et je m'en vais chez mon père pour vous préparer une place. Cette place-là, ça doit être destiné à vous les pasteurs parce que vous conduisez les gens vers la parole de Dieu. Si on rentre dans cette parole de Dieu, Dieu est en train de dire, m'aimer c'est aimer le prochain. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain. Heureusement, dans ces pays du Congo, nous sommes remplis des églises. On va dans les régions, dans chaque parcelle, deux parcelles après, il y a l'église. Nous chantons tous au nom de Jésus. Nous crions, nous aimons Jésus. Mais maintenant, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour Jésus ? Faire pour Jésus, c'est aller vers les orphelins, aller vers les paralytiques, aller vers les veuves, des enfants de la rue. Je ne vois pas des églises qui font des tours pour venir soutenir, surtout cette grande maison où je suis à Mama Coco à Kimbondo, où ils peuvent se retrouver avec 750 enfants. Croyez-moi, pour préparer la nourriture à 700 enfants, quel genre de casserole qu'il faut? Combien de sacs de haricots et de riz? Parlons même pas de la viande. Je crois que le pasteur de Kinshasa, de toutes les régions de Kinshasa, vous m'attendez. Je vous lance un message. Prenez les dîmes et les offrandes de Dieu. Venez les semer à cette maison. Quand on aura nourri les enfants,
qui sont vraiment défavorisés, ils pourront payer les enfants, les gens qui s'occupent de ces enfants. Il y a des mamans qui préparent pour les enfants, il y a des encadreurs, il y a des nettoyeurs, il y a des gens qui lavent les habits. Cette association demande beaucoup de fonds. Les églises, les dimanches, quand vous recevez l'argent de Dieu, prenez cet argent, venez s'aimer ici. C'est là où Jésus reconnaîtra votre église. Si vous prenez ça pour votre bien personnel, vous êtes en train de rater ce que vous allez recevoir vers Christ. Jésus a dit, donnez aux malheureux. Et cet argent, ça n'a jamais été notre argent. C'est l'argent que les gens donnent à Dieu. Et vous vous appropriez, vous construisez des immeubles, vous mariez vous avec des femmes, vous achetez des jeeps. Croyez-moi, on est à côté du plâtre. Je n'ai pas le pouvoir de vous juger, mais seulement je vous donne un conseil de réinvestir cet argent de l'église dans des endroits comme ici, à Kimbondo, le plus grand association de Kinshasa, où il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Évidemment, pour les gens de l'Europe, comme je vous ai dit, je vais faire des photos, vous allez avoir des enfants à parrainer et vous allez les parrainer selon vos moyens. J'ai plus confiance à vous parce qu'il y a beaucoup qui ont demandé le compte bancaire de l'association de Maman Coco pour virer l'argent. Je vous remercie d'avance. Je crois que Jésus va vous donner beaucoup, frères et sœurs. J'ai dit ça à la maman de la Belgique qui m'a appelé dernièrement, qui voulait le numéro du compte de Maman Coco. Je vais vous transmettre parce que je suis venu prendre ça. Et d'autres personnes encore, vous qui êtes loin, vous avez besoin d'aider ces pays, le genre de Canada, de l'Afrique du Sud, de Togo, on mélange tous les pays du monde entier. Pensez à cette association. Il y a besoin de beaucoup de fonds pour nourrir ses enfants. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Je suis touchée d'avoir cette petite carte. Ça me tient au cœur. Et cette petite rose que je suis sûre que les enfants ont fait pour moi. Et une belle lettre de joyeux Noël. Donc je ne sors pas ici sans rien. Je sors quand même avec des cadeaux. Et vous, maintenant, à votre tour, de venir chercher votre cadeau. On vous attend ici, à l'orphelinat de Kimbondo Maman Coco. Venez nombreux. Cette association existait. J'ai demandé à venir voir. Le premier jour que j'étais venu voir ces enfants, j'allais beaucoup pleurer. J'ai compris qu'il y a même des enfants qu'on vient jeter devant la porte. Parce que cet enfant est né avec la malformation. Soit elle n'a pas voulu que la famille sache et vient jeter l'enfant devant. Ou d'autres, les parents meurent. Maman comprend les enfants que les parents laissent. Nous avons le cas des Sud-Africains, aussi en Afrique. Beaucoup meurent. Et en ce moment-là, on prend des enfants. Mais ce qui est triste dans cette parcelle où je suis, il y a 780 enfants. Des enfants normaux ou des enfants qui ont des problèmes de santé. Mais ces enfants mangent. Si tu regardes l'aide, il n'y en a pas. Il n'y a pas de social dans ce pays. Donc, Maman Coco elle-même
souffrait pour nourrir ses enfants, vêtir ses enfants. Maman Coco nous a laissé une partie. Et il y a son neveu qui a pris la place. Malheureusement, ça ne suffit pas. Moi, je sors de là découragée. Parce que c'est comme tu as mis une goutte d'eau dans un bassin. Ce que je fais, c'est toute une goutte d'eau. Mais il y a eu une grande quantité d'eau qui n'a pas touché. Donc, les gens qui veulent aimer, qui aideront Jésus, Jésus sera reconnaissant. Je demanderai aux gens de venir faire des visites à Kimbongo et venir laisser des dons. J'ai les numéros de la banque de Kimbongo. Vous m'appelez, vous prenez ces numéros de compte, vous envoyez l'argent à ces numéros de compte. Même si vous n'arrivez pas à venir, même si ça peut acheter deux sacs de riz, un sac d'haricots, ça va aider tous ces enfants. Donc, celui qui entend ces messages, qui m'appelle, vous avez vu des images tristes. Toi, papa pasteur, tu tiens l'église. L'argent qu'on verse à l'église, c'est l'argent de Dieu. Venez l'investir ici à Kimbongo. À chaque fois, je pleure. Surtout quand j'arrive, c'est ces enfants alités, immobiles. Et ça me fait mal. Pensez-vous que s'il y avait des églises qui venaient rendre ces enfants la visite. Tu vois, quand nous sommes rentrés, ils étaient joyeux, marqués qu'ils sont alités. Ils avaient compris qu'ils avaient reçu de la visite. Si l'église disait, aujourd'hui, on va faire l'église dans Kimbongo. Mais c'est ça que Jésus a voulu. Ils viennent, ils portent ses enfants, ils le lavent, ils le soutiennent. Même moralement, ça allait leur faire du bien. Donc si j'ai pleuré, ça m'a fait mal. Quand je vois des enfants encore qui marchent, je trouve ça heureux, on rigole avec eux. Mais quand je vois ceux qui sont alités, qui ne peuvent même pas bouger, et ils ont besoin qu'on leur porte. Les mamas pasteurs, les papas pasteurs, prenez votre groupe d'église, venez donner la joie à ces enfants qui sont ici. Venez prier même pour eux. Venez les aider. En tout cas, moi, l'église, pour moi, ça n'a pas de valeur si ça n'a pas d'œuvre. Et les œuvres de l'église, c'est les œuvres de venir s'aimer là où il y a la souffrance, là où il y a la misère, là où il y a les gens qui pleurent, là où il y a les paralytiques comme ici à Kimbongo, là où il y a des enfants qui ne parlent pas, là où il y a les autistes, là où il y a... Vraiment, c'est ça, s'aimer pour Jésus. Mais ce n'est pas s'aimer au-dessus des jeeps, s'asseoir sur des hectares qu'on a fait en or, bâtir l'église d'une beauté incroyable, au lieu de prendre cet argent et venir donner à manger aux orphelins qui sont dans ma famille.